Bonjour à tous, c'est de nouveau moi, je suis de retour. Alors, aujourd'hui, je vais de nouveau vous raconter une petite histoire. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que vous reconnaissez ceci? Bien oui, bien sûr que vous reconnaissez ceci. C'est le sac magique. Où se trouve la fameuse histoire, le fameux livre? Est-ce que vous vous rappelez de la formule pour que le livre sorte du sac? Alors, déjà, il y a quelque chose à faire avec les mains. Est-ce que vous vous en rappelez? Qu'est-ce qu'on doit faire avec les mains? Est-ce que je les croise comme ceci? Non, c'est pas ça. Est-ce que je les mets au-dessus de ma tête, comme cela? Non, ce n'est pas ça non plus. Qu'est-ce que je fais avec mes mains? Vous pensez quoi? J'entends quoi? On cache le visage avec, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Cache son visage avec ses deux mains, puis à trois, on les ouvre, et on prononce une formule. Alors, est-ce que vous vous rappelez de la formule? Pensez à quoi? Ah bonjour monsieur le livre! Est-ce que vous voulez qu'on essaye? On va essayer à trois. Allez. 1, 2, 3. Bonjour monsieur le livre! Non, ça ne marche pas. À votre avis, quelle est la formule? Quoi, qu'est-ce que j'entends? Réveille-toi, monsieur le livre. On va essayer. Allez, à trois. 1, 2, 3. Réveille-toi, monsieur le livre. Non, ça ne marche pas non plus. Allez, vous la connaissez la formule, j'en suis sûre. On l'a déjà fait plusieurs fois. Qu'est-ce que j'entends? Coucou, monsieur le livre. Mais oui, bien sûr, c'est ça la formule. Coucou, monsieur le livre. Vous voulez qu'on essaye? Allez, on essaye. À trois. 1, 2, 3. Coucou, monsieur le livre. Les aventures de Croquignole. Est-ce que vous vous rappelez de la formule pour que le livre s'ouvre? Alors, ça commence par un M, comme quoi? Oui, M comme monsieur. Et après? Après le monsieur, on dit quoi? C'est quoi ça? Ça, c'est un livre. Alors, monsieur le livre. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour que le livre s'ouvre? Monsieur le livre, ouvre-toi? C'est ce que j'entends? Oui. C'est exactement la bonne... C'est exact. C'est la bonne formule. Allez, à trois. On va... À trois, on dit tous, monsieur le livre, ouvre-toi. Vous êtes d'accord, les enfants? Allez, à trois. 1, 2, 3. Monsieur le livre, ouvre-toi. Croquignole est un crocodile, un vrai. Seulement, il est né dans un zoo. Et c'est là l'ennui, car Croquignole ne rêve que de liberté. Ses parents, qui sont nés en Afrique, lui parlent souvent de ce beau pays lointain. Là-bas, à midi, quand le soleil est si chaud, qu'on se brûle les pattes, en marchant sur le sable. D'ailleurs, on est bien mieux au frais dans les roseaux. Ou alors, carrément dans l'eau à nager, sans bruit, derrière les pirogues, pour faire peur aux hommes. Sans bruit, derrière les pirogues. C'est alors que Croquignole prend une décision.
il décide de quitter le zoo pour aller en Afrique. La nuit suivante, Croquignol réussit à voler les clés du carnet du zoo. Puis il se faufile jusqu'à la grille. Maintenant, pour l'ouvrir, il faut trouver la bonne clé. Il a déjà essayé. Une clé? Deux clés? Trois clés? Quand soudain, le chien du gardien se met à aboyer. Aussitôt, Croquignol plonge derrière un buisson, dans un buisson, en grognant contre la lune qui l'éclaire si bien. Au bout d'un moment, quand il n'y a plus de danger, Croquignol sort de son buisson et il essaye la quatrième clé. Et la porte s'ouvre. Croquignol est content, il est enfin libre. Comme la nuit n'est pas finie, Croquignol s'installe dans un jardin public pour dormir. Le lendemain, il est à peine réveillé qu'une bande d'enfants costumés l'entoure, comme ceci. Un des enfants lui dit « Mais il est beau ton déguisement !» Et l'autre lui dit « Viens avec nous à l'école, je suis sûre que tu auras le premier prix !» Mais Croquignol ne veut pas danser. Ce qu'il veut, c'est aller en Afrique. Seulement, pour aller en Afrique, il faut d'abord savoir où c'est et comment on s'y rend. Est-ce qu'on y va en bus? Est-ce qu'on y va en tram? En voiture? En avion? En bateau? Le petit crocodile n'en sait rien. Il aperçoit un agent qui règle la circulation, juste là. Il lui demande « S'il vous plaît, monsieur, pour aller en Afrique, c'est par où ?» Et l'agent de circulation s'effraie, au point qu'il avale presque son sifflet. Mais heureusement, il ne l'avale pas. Mais en s'effrayant, il fait des grands gestes. En haut, en bas, à droite et à gauche. Dans tous les sens, il fait des gestes. Et les voitures ne savent plus quoi faire. Est-ce qu'elles doivent rouler? Est-ce qu'elles doivent s'arrêter? Est-ce qu'elles doivent aller à droite? Est-ce qu'elles doivent aller à gauche? Et cela crée un gigantesque embouteillage. Croquignol préfère donc partir. Croquignol préfère donc partir. Il s'éloigne sur la pointe des pieds. Enfin, la pointe des pattes, plutôt.